Relais, c'est une structure d'insertion qui existe depuis 35 ans, qui a une vraie expertise sur la filière textile, puisque c'est le leader français de la collecte et du tri du textile en France. C'est-à-dire qu'on récupère donc le linge, c'est-à-dire le linge vêtements, linge de maison, également les chaussures, donc par le biais de containers ou par des partenariats avec des structures locales ou des grandes enseignes nationales. Tout ce linge récupéré, on va le trier en environ 250 catégories, dont une catégorie spécifique, donc le jean, est récupéré pour fabriquer l'isolant métis. L'objectif étant déjà de créer de l'emploi, ça c'est la vocation première du relais, et ensuite, dans une démarche de développement durable, pouvoir soit valoriser le textile sur des produits tels que le métis, ou également le revendre les vêtements en fait, qu'on puisse réutiliser en l'état d'habit par le biais de fripes, soit du relais, donc par le biais des boutiques Dingfringues, ou alors par d'autres fripiers à l'international. Donc l'innovation en fait concerne l'isolant métis. Alors c'est vrai que c'est innovant à plusieurs titres, c'est-à-dire que un, le relais maîtrise l'intégralité de la filière, donc de la fabrication de l'isolant. Ça va du jean, le défibrage, le traitement contre le feu et également le conditionnement. On retrouve le métis, donc en panneau, en rouleau, également en vrac à souffler. On avait candidaté donc au trophée de l'innovation bi-positive par rapport au traitement feu qui aujourd'hui est véritablement innovant, c'est même une révolution au niveau de marché de l'isolation, puisque c'est le seul isolant présentant un traitement feu entièrement naturel. Jusqu'à présent, on pouvait traiter les isolants, principalement métis, c'était traité avec du sel d'ammonium. Là, on était sûr de la matière organique. C'est-à-dire la matière organique est déjà utilisée par fertilisation dans le monde de l'agriculture. Simplement, la matière organique dégage de l'azote et du phosphate qui nous intéressent en fait pour le traitement feu. Donc, au lieu de récupérer ces molécules-là, du sel d'ammonium qu'on faisait précédemment, on le récupère désormais à partir de la matière organique. Ces molécules, donc phosphate et azote, sont mélangées à une solution aqueuse de manière à pouvoir traiter la fibre en plein bain. Là, c'est également la deuxième innovation, puisqu'on est le seul isolant traité au cœur de la matière en plein bain. C'est-à-dire c'est la technique simplement de la teinturerie textile. C'était important pour nous de pouvoir avoir un petit coup de projecteur en fait sur cette innovation. Et puis le fait d'avoir obtenu d'être lauréat, c'est vraiment une grande satisfaction pour nous. Déjà parce que ça a été un travail de longue haleine, même de 35 ans pour arriver à un produit biosourcé. Et puis également pouvoir proposer un produit véritablement innovant.